mouvement de grande solennité équivaut tout son pesant d'or, d'où tout ce cérémonial. La Kwaru nigérienne a désormais son propre siège et ce sur financement propre. Bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Tawa-Bagaroua, le président de la République en a procédé au lancement des travaux d'aménagement et de victimage. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision La Barry. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que la Croix-Rouge nigérienne dispose désormais d'un bâtiment de deux niveaux abritant son siège national. La cérémonie d'inauguration de ce bâtiment, financée sur fonds propres de cette société nationale humanitaire, est intervenue ce matin même à Niamey en présence de nos reporters Alidou Bourema et Adamou Soumana. Cette cérémonie solennelle qui a regroupé les volontaires humanitaires nigériens autour des membres du comité de direction de la Croix-Rouge et ses différents partenaires se veut historique pour ce mouvement. En effet, la présente cérémonie marque la mise à la disposition de la Croix-Rouge nigérienne d'un siège digne de ce nom après plus de 50 ans d'existence. Occasion pour le président de la Société nationale de présenter le bâtiment tout en soulignant son importance. En décidant donc de construire cet important édifice, avec nos fonds propres, nous entendons, sans aucun doute, accomplir un devoir de mémoire, celui de rassembler l'ensemble des composantes du mouvement Croix-Rouge sur un même lieu de travail et permettre ainsi de créer un cadre de concertation et de coordination plus dynamique et plus efficace dans nos activités. Pour un coût total estimé de plus de 400 millions de francs CFA, ce nouvel immeuble équipé est le résultat de plusieurs années d'économie. Il est composé d'un rez-de-chaussée plus deux niveaux, de six boutiques de haut standing et de réaménagement de l'ancien bloc de classe des jardins d'enfants en bureaux et salles de réunion. Pour sa part, le représentant du ministre de la Santé publique procédant à l'ouverture officielle de la rencontre, il n'a pas manqué de louer toutes les actions menées par la Croix-Rouge nigérienne en faveur des personnes vulnérables. La Croix-Rouge a joué un rôle majeur dans plusieurs actions concrètes visant à appuyer le ministère de la Santé publique. En témoigne, ses multiples interventions aux côtés des services techniques du ministère dans la lutte contre les épidémies, les pandémies, ainsi qu'au cours de toutes les catastrophes survenues au Niger dans le respect des principes et valeurs humanitaires. À titre d'exemple, nous avons encore en mémoire la grande opération de lutte menée contre la méningite en 2015 qui a connu un succès éclatant où votre structure s'est distinguée dans la gestion efficace du centre de traitement des personnes atteintes de la maladie grâce au dynamisme et au professionnalisme de ses volontaires. Auparavant, c'était le chef de la délégation du CICR, Lucas Pedriti, et le représentant pays de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Dr. Yuma Moshe, qui avait pris la parole pour citer l'importance de ce monument qui, selon eux, constitue le symbole de la volonté de la Croix-Rouge nigérienne pour se développer davantage. L'inauguration officielle de ce bâtiment à travers la coupure du ruban a constitué le temps fort de cette cérémonie. S'en sont suivis une visite guidée du bâtiment et une photo de famille pour immortaliser ce moment solennel. La préservation des droits et libertés des citoyens, objet d'un atelier ce matin dont l'enceinte de l'École nationale de la police a servi de cadre et il est destiné à nos forces de défense et de sécurité. Ali Sissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Bientôt, les élections présidentielles et législatives vont commencer dans notre pays. Un processus électoral qui, du début à la fin, aura besoin de la police pour assurer l'ordre et la tranquillité des citoyens. Aussi, pour renforcer cela, le Centre d'enseignement, de recherche et d'études en droit humanitaire et droits de l'homme, en collaboration avec la plateforme ouest-africaine Police et droits humains, avec l'appui financier du CICR, organise l'atelier dont le thème est « Maintien de l'ordre et préservation des droits et libertés des citoyens ». L'intérêt de la présente session de formation apparaît sous deux angles. D'abord, elle constitue un cadre par excellence ou autorité administrative chargée de veiller au maintien de l'ordre et les responsables des forces de défense et de sécurité qui assurent l'exécution des mesures de maintien de l'ordre sont mis ensemble pour examiner les contours de cette importante mission de l'État
et le maintien de l'ordre dans un contexte démocratique où la préservation des droits et libertés des citoyens constitue l'un des piliers sur lesquels doit reposer l'état de droit. Pour le représentant du CICR, sa structure mettra tout en œuvre pour aider la police dans son travail de sécurisation et du respect des droits des citoyens. Le CICR qui soutient votre initiative souhaite vous faire part de sa grande satisfaction de pouvoir participer à cet atelier et de pouvoir intervenir sur des thématiques qui relèvent de son mandat, la protection des populations civiles, la promotion du droit international humanitaire et l'application des droits humains. Protéger et servir, telle est la mission des forces de police partout dans le monde et ici aussi au Niger. Garantir aux citoyens qu'ils pourront vivre dans un environnement sûr et sécurisé par des forces de police professionnelles, bien formées à mettre en œuvre et faire respecter la loi dans un état de droit. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le ministre délégué aux affaires coutumières et religieuses de mettre l'accent sur le rôle que doit jouer la police relativement à la consolidation de la démocratie. Au moment où le Niger se prépare à organiser des élections apaisées en 2016, l'effervescence préélectorale s'empare déjà des partis politiques, tant de la majorité que de l'opposition. Les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives et communales qui seront sollicitées pour le maintien de l'ordre pendant cette période cruciale doivent être formées dans ces domaines. En effet, pour s'acquitter convenablement de leur mission, il est très important pour les responsables administratifs et ceux des forces de défense et de sécurité d'avoir constamment à l'esprit le respect des garanties apportées par la loi. Il est à noter qu'au cours de cet atelier, plusieurs thèmes relatifs aux droits de l'homme seront traités avec les participants qui, à la fin du séminaire, auront leur capacité fortifiée en matière de préservation des droits des citoyens. Cela dit, fin cet après-midi même du camp de la technologie conjointement organisé par l'ambassade des États-Unis au Niger et le Conseil national de la jeunesse, pendant deux jours, des jeunes leaders venus des 8 États de l'Afrique de l'Ouest ont débattu de la problématique du terrorisme qui utilise les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Retrouvons Ali Cissé Ibrahim, cette fois-ci avec Abdel Nasser Seydou. Ce camp de la technologie qui a été initié par l'ambassade des États-Unis dans notre pays et le Conseil national de la jeunesse a été une opportunité pour les participants venus de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest d'échanger sur les stratégies à mettre en œuvre pour combattre le terrorisme qui utilise de nos jours les nouvelles technologies de l'information. À l'issue de cette réunion des jeunes leaders, le président du Conseil national de la jeunesse témoigne ici sa reconnaissance au gouvernement américain qui est décidé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Je voudrais aussi remercier très sincèrement le gouvernement américain qui a donné cette opportunité aux pays africains pour se retrouver et échanger sur cette question aussi importante que la lutte contre le terrorisme. Car comme vous le savez, le problème du terrorisme est un problème mondial qui nécessite une solution mondiale. Et je pense que cela doit servir d'exemple pour les autorités africaines à investir davantage dans la prévention. Le président du Conseil de la jeunesse doit porter la preuve que les nouvelles technologies peuvent être mises à contribution pour mettre en route des projets plus bénéfiques. En quelques jours seulement, nous avons pu accoucher 9 idées de projets. Une première idée sur la mise en scène sur la mauvaise utilisation des technologies, en tout cas des réseaux sociaux. Une deuxième idée qui porte sur un projet audiovisuel pour la lutte contre l'extrémisme violent, l'organisation des mini tech camps, ça veut dire déjà que la culture de tech camp est bien assimilée. Une cinquième idée sur l'utilisation des tics mobiles pour lutter contre l'extrémisme violent, une idée sur comment inculquer les valeurs de l'entrepreneuriat chez les jeunes, une idée sur le mapping Open Street Map. Le 9e et dernier projet, c'est l'utilisation des outils multimédia pour le dialogue et les échanges.
le terrorisme à l'heure actuelle est un problème mondial et chacun dans sa sphère de compétence est appelé à le combattre avec la plus grande énergie. La suite de cette édition, mais sur un tout autre plan, décrété ce matin par le Bureau exécutif national du SINASEB, le syndicat national des fonctionnaires et agents contractuels de l'éducation de base, la section de Niamey, a tenu ce matin une assemblée générale et dont l'école primaire Yantala 1 en a servi de cadre des assemblées générales dites sectorielles pour davantage tabler sur leurs revendications. Image à d'Abdou Nasser Seydou, commenté par la rédaction. Dites sectorielles, ces assemblées générales sont une initiative du SINASEB, le syndicat national des fonctionnaires et contractuels de l'éducation de base, ou à l'image de la section Niamey 1. Tous ont répondu à l'appel, car au regard du long chapelet de doléances égrenées, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ces assemblées générales ont été donc décrétées par le Bureau exécutif national sur l'ensemble du territoire national, afin donc de faire la mobilisation pour un sitting qui a été prévu au niveau de Niamey, au niveau donc de la fonction publique, c'est-à-dire le ministère, et au niveau donc de l'ensemble des régions, au niveau donc des chefs-lieux de région sur toute l'étendue du territoire. Et nous tenons donc à faire réussir ces activités-là. C'est pour cette raison que nous avons jugé utile de faire la mobilisation au niveau de la base. Et c'est pour cette raison que nous sommes là ce matin pour mobiliser davantage nos troupes afin qu'elles puissent participer aux activités qui sont programmées pour la journée du vendredi. Pour l'aboutissement de leurs revendications, au-delà d'une telle mobilisation, ils entendent radicaliser leur mouvement. Avant que la campagne électorale ne s'ouvre, nous allons radicaliser la lutte et nous allons contraindre le président Issoufou à faire pression sur son gouvernement par rapport donc au respect donc de ses engagements pris. L'appel que nous lançons, c'est de les inviter massivement à occuper demain, dès 8h, les locaux donc du ministère de la fonction publique pour protester devant le ministre qui, dans le recrutement, est en train de commettre une forfaiture jamais inégalée. Nous avons constaté, avec l'arrivée de ce ministre, un recrutement abusif, un recrutement injuste, un recrutement illégal et injustifié. Le protocole d'accord signé avec le gouvernement et qui les lie, ils en ont un goût d'inachevé, d'où leur volonté de passer à la vitesse supérieure. Actualité dans nos régions. Après mardi, le président de la République a poursuivi à Ottawa sa visite en profondeur dans le pays. Le département de Tchintabaraden a réservé à travers un meeting un accueil des plus chaleureux à lui et toute sa délégation. Nos envoyés spéciaux Nasser Dantofou et Cheb Guissou nous en font le compte rendu. Plus que convaincu que le programme de la renaissance du président Issoufou Mamadou est en un point douté inutile pour leur épanouissement, la population de Tchintabaraden, jeunes hommes et femmes, se sont mobilisés pour réserver un accueil digne de ce nom à l'homme de la renaissance. Kai Mungani Mungodi est le slogan qui retentisse au passage de l'homme qui est devenu incontestablement l'icône de la Zawaka. Après le discours de bienvenue du maire de la commune de Tchintabaraden, le préfet du département lui a brossé le tableau des réalisations effectuées dans le cadre du programme de la Renaissance. Le département de Tchintabaraden a bénéficié des investissements importants dans le domaine de la santé, de l'hydraulique, de l'élevage, de l'environnement, de l'agriculture, bref, dans les secteurs socio-économiques et culturels. La population du département de Tchintabaraden m'a chargé de vous réitérer ses sincères remerciements et de traduire aussi ce mot. Kai Mongani Mongode Kuma Akala. Cependant, il faut tout de même noter la nécessité de poursuivre et de renforcer ses réalisations. Conscient d'avoir épongé toutes les promesses d'État durant ce premier mandat, Issoufou Mamadou, homme de parole, s'engage à faire de Tchintabaraden un carrefour commercial par la réalisation de la voie bitumée en branchement jusqu'à la frontière de l'Algérie. Da sauransu amma na ce muku ko da ke aje aiki akwai sauran matsaloli kamar musallin nan ce dabarar den
kun fuskanci wannan matsala ta wannan hanyar taku daga marababa har zuwa na sun tabbara da ni to na zaka na albishir wannan albishir da na kawo muku shine da izinin lahi wannan hanya kamar gobe ne an yi ta in Allah yarda domin jiya ne jiya ta kanas an kasa hannu bisa ga takarda ɗayan wannan hanya taku ta taso ta mararaba ta biyo kau ta saka nan cin tabara ɗayan kuma niyyarmu in Allah ya yi muna yawancin rai wannan hanya ta huce ta je inabagrant kuma ta huce ta je har iyaka da Algeria domin na sani hanya ce mai amfani ƙwarai da gaske. À Tchintabaladen, le président Issifou Mamadou a reçu un cadeau symbolique composé de 5 chameaux, 2 chamelles avec leurs petits, 2 vaches légères avec leurs petits et 2 chevaux. Il a auparavant effectué une escale à Kao où il a été également chaleureusement accueilli. Opportunément, lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de la route, il est là, Bagaroua. C'est le président de la République en personne qui a lancé le début des travaux au grand soulagement aussi bien des usagers que les populations. Retrouvons nos envoyés spéciaux Nasser Dantofo et Chebou Guissou. Poussière, trous par-ci, pneus crevés, temps perdu sont entre autres l'eau du désagrément que rencontrent les usagers de la route Iléla-Bagaroua, longtemps resté le cauchemar de la population de cette localité. C'est là qu'entre en jeu l'homme de la Renaissance, le président Mahamadou Issifou, qui, à travers cette cérémonie, annonce la fin de la souffrance de cette population par le lancement des travaux d'aménagement et de bitumage de cette route longue de 107 km. Qui sera exécuté à un coût de 6 782 542 600 francs CFA dans un délai de 36 mois. Aujourd'hui, c'est une joie inestimable que vraiment même moi, je ne sais comment vraiment manifester ma joie. Depuis des années, nous avons rencontré pas mal de difficultés en utilisant cette route. Vraiment, c'est un grand jour pour nous aujourd'hui de voir vraiment le lancement de bitumage de la route et de la Bogara. Nous qui sommes les usagers, nuit et jour sur cette route, c'est vraiment une grande fierté pour nous. Donc on ne sait comment vraiment qualifier ça et comment on n'est pas en train de vraiment cacher notre joie. Notre jeune département, celui de Bagaroua, vit vraiment sa position donc, a été désenclavé par rapport aux infrastructures routières. Maire de la commune de Bagaroua, gouverneur de la région de Tawa, ont tour à tour présenté un bilan plutôt que satisfaisant des réalisations exécutées dans le cadre du programme de la Renaissance, tout comme le ministre de l'Équipement, Ibrahim Nomao. Les engagements qui ont été pris sont en train d'être tenus du fait que les travaux et la mise en forme d'un projet, en tout cas, ne connaissent pas trop de retard dans notre ministère. Le président Issifou se réjouit de l'aboutissement de cette promesse et en décline les avantages. Je me réjouis de la cérémonie de ce matin et du lancement de cette route entre Lila et Bagaroua, en réalité qui doit continuer sur Bodobuchi afin de faire la jonction avec la route nationale 1, numéro 1, entre Niamey et Zambier, donc au niveau de Bodobuchi. Donc, encore une fois, c'est une promesse qui est tenue. Comme cela a été le cas dans beaucoup d'autres domaines. En marge de cette route, deux bretelles bitumées sont prévues, à savoir une à partir de PK10 à Dandaji et une autre de Dandaji à Dangona, ainsi qu'un volet social comportant la construction de 1004 mètres linéaires de clôture des écoles et la réalisation de 700 mètres linéaires de forage. Nous revenons à présent au dernier élément de cette édition et c'est un public reportage consacré au recrutement de nombreux jeunes Nigériens tous sexes confondus pour travailler en Arabie Saoudite, fruit d'un partenariat entre l'État à travers l'Agence nigérienne de promotion d'emploi et la SMASCO, le bureau nigérien de placement de la main-d'œuvre. Très bonne réception et très bonne suite en compagnie de nos programmes. Au revoir. Au sein Béné, la valeur n'attend point le nombre des années à ton coutume de dire. Des créatures de Dieu sur terre, chacune
à une destinée bien tracée. Et c'est ça son miracle. Après le départ effectué avec le succès de la première vague féminine il y a de cela quelques semaines en Arabie Saoudite, c'est au cours ce 18 janvier 2016, cette fois, de la vague masculine exclusivement des chauffeurs catégorie B poids léger de s'envoler pour la capitale du royaume wahhabite, c'est-à-dire Riyad, dans le cadre du placement des Nigériens par le bureau nigérien pour le placement de la main-d'œuvre, représentant exclusif au Niger de la SMASCO, la Saudi Manpower Solution Company. Nous renforçons la coopération sud-sud entre le Maroc et l'Afrique d'Ouest. Et nous comptons à travers ce genre de partenariat de développer l'économie et le développement interne au sein du Niger. Donc en fait, l'accord, il couvre tous les pays de l'Afrique d'Ouest. Donc il y a le Niger, Mali, Bénin, Burkina Faso et le Sénégal. À travers cette convention, Royal Air Maroc s'engage à transporter l'ensemble des employés recrutés à travers ce bureau nigérien. Le placement des Nigériens employés en Arabie Saoudite se fait sur autorisation officielle de l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi ANPE et l'implication directe du ministre de l'Emploi. Salissou Ada rassure. Nous sommes aussi transportés en Arabie Saoudite pour concrètement voir qui est cette société-là, pour constater en quoi son niveau de sérieux et comment, dans quelles conditions les travailleurs, les recrutes dans les différents pays à travers le monde travaillent en Arabie Saoudite. Nous avons été impressionnés par les dispositifs en tout cas qui étaient en place, par les différents centres de formation que nous avons visités à Riyad et par le traitement qui est en tout cas fait aux travailleurs que nous avons trouvés sur place. Nous osons croire que les Nigériens vont en tout cas être traités dans toute la dignité que cela requiert, dans le respect des dispositions contractuelles. Aujourd'hui, et personne en dehors de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi qui a cette mission ne peut se permettre de recruter et d'envoyer des Nigériens travailler à l'extérieur. Donc, pour le moment, c'est l'ANPE qui a été autorisée à le faire. La liste de ces candidats à l'emploi est transmise directement par l'ANPE au bureau nigérien pour le placement de la main-d'œuvre au terme d'un examen du dossier. Et pour être candidat, il faut être de nationalité nigérienne, un extrait de naissance, avoir un permis de conduire B, disposer d'une carte de l'ANPE et être passé par l'agence. Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, être âgé de 22 à 40 ans et jouissant d'une parfaite santé et d'une bonne moralité. Pour les femmes, il faut obligatoirement présenter une autorisation parentale écrite et visée par le chef de famille. Une fois au bureau nigérien de placement de la main-d'œuvre, un questionnaire vous est soumis pour être conforme. Tous les frais liés aux analyses médicales et au transport aérien sont pris en charge intégralement par le bureau nigérien pour le placement de la main-d'œuvre. Pour tous les candidats désormais employés comme chauffeurs en Arabie Saoudite, c'est un rêve devenu réalité de se retrouver enfin sur la terre sainte de l'islam. Le sentiment est que je suis un chômeur au Niger, donc j'ai trouvé le boulot, je pars pour travailler. Donc c'est un sentiment qui m'a mis dans une autre vie que je vais lancer. Comme tout bon musulman souhaite être là-bas. Donc je souhaite être là-bas et gagner la chance et que mon objectif est que je représente mon pays là-bas, avec une bonne image aussi. Dieu merci, aujourd'hui, toutes les rumeurs qui se passent dans la ville, réellement je vis la réalité aujourd'hui devant moi, puisque me voici présentement à l'aéroport, sur le point de décollage. Alhamdulillah, tout musulman souhaite être aujourd'hui en Arabie Saoudite. Il nous a appris d'ici que nous serons des chauffeurs, premièrement. Mais il y a d'autres prépositions qu'on travaille. Si tu as un métier ici, arrivé là-bas, on te propose. Si ça te convient, tu le poursuis. Les femmes de ménage recrutées se sont facilement intégrées
et s'adaptent aux réalités dans leur nouvelle famille d'accueil saoudienne. Elles sont arrivées en bonne santé. Accueillies chaleureusement selon la tradition musulmane, elles sont très bien hébergées et restaurées. Quelques témoignages de ces Nigériennes employées en Arabie Saoudite. Assalamu alaikum, je m'appelle Nana Adiza, je suis Nigérienne. J'ai été recrutée par la compagnie Simasco en Arabie Saoudite. Au début, je ne voulais pas venir compte tenu des ragots dits sur l'Arabie Saoudite. Mais, alhamdulillah, on est venu, on a été très bien accueillis, on est bien logé, on mange très bien. On a nos comptes bancaires, une assurance maladie, on nous a distribué des téléphones et on a des cosmétiques chaque fin du mois. On est là pour assurer notre futur, aider nos familles. Donc, n'hésitez pas à venir en Arabie Saoudite pour travailler dans la compagnie Smasco. Shukran Smasco. Salam alaikum. Sonana Aishatu. Ni en Niger Nena, Huto Nazon Samasco, c'est un Saoudi, Anieki, Ambam Wuri Sabka, Ambam Papunama Suto, Ga Abin Timu Maito, Ga Abin Sana Kore, Ayumuna Sutura, Ayum Ambam Takardum, and Abunga Kartik Bankier, Wanda Mucha Okon Kutum Mudashi. Ayumuna Kumi, the Kumi Baba, Abin the Mucha Suwanda Ayumuna Shiba, Anasitin Samasco. Mu duka muna nan ɗan uwa na waɗanda suke son su zo su ma su zo ga mu nan suke son masku duk abin da ake nan da hadi tanda ƙarya ake yi an aza musu ƙarya ne mu da muka zo mun gani mun ji mun gani mun ce muna zawwa mun ji dadin shi kuma da muka zo mu muna gode masa masku ko gobe muna bayan sa masku muna son shi muna so mun zo ne mu yi aiki mu nemi halal din mu kuma Allah ya ba mu shi mun gode masa masku wato mu compatriotes. On retrouve d'autres nationalités telles des Tunisiennes, des Marocaines, des Mauritaniennes, d'Algériennes, des Soudanaises, d'Éthiopiennes, etc. 5 jours après leur arrivée, le contrat d'une durée de 2 ans plus 1 mois de congé qui leur donne droit selon les clauses du contrat, soit à accomplir le Hajj ou soit revenir au pays, prend automatiquement effet. Selon toujours le contrat, ils ont droit à un salaire brut mensuel. Ils bénéficient d'un compte bancaire plus carte de crédit et une protection sociale complète. Chacun, oui, chacun a droit à un téléphone portable pour communiquer avec sa famille ou proches restés au Niger. Le tout assuré par la Saudi Manpower Solution Company, Smasco. S'agissant des femmes nigériennes, elles ne peuvent être employées tant que ce n'est pas un foyer conjugal. L'employeur saoudien doit être forcément marié. Et au cas où ils ont des soucis avec la famille d'accueil ou client saoudien, ils s'adressent directement à la Smasco qui intervient. Cette initiative, très louable et salutaire, reste un projet vieux de l'époque du fait président nigérien Ali Seibou, mais il a fallu l'arrivée au pouvoir du président actuel Issoufou Mahamadou lors d'un de ses récents voyages en terre saoudienne pour que ce rêve se concrétise et ce, au grand bonheur de la jeunesse nigérienne. C'est une vie paradisiaque ouverte contrairement à ces immigrants sur la route de l'Europe qui bravent le désert nigérien, algérien ou libyen dans l'incertitude de la pluie totale avant de se voir finalement noyés dans la Méditerranée au péril de leur vie. En tout cas, coup de chapeau au bureau nigérien de placement de la main-d'œuvre, à l'ANPE, au ministère de l'Emploi et son ministre Salisu Ada, mais aussi à la Smasco, la Saudia Manpower Solution Company.